nous dit bon Dieu merci pour équipe ça, pour connexion, et nous dit bon Dieu merci, on commence à dire bon Dieu merci pour merveille internet et téléphone et tout ça, c'est bagaille qui fait on joint pour nous dire bon Dieu merci parce que nous capables d'utiliser technologie pour nous capables connecter à travers le monde ensemble comme petit bon Dieu pour nous capables louer. Et maintenant, comme nous connaissons le et que le Seigneur est capable d'ouvrir l'esprit nous et guider nous, et c'est un dit bon Dieu qui peut changer à merci pour toute bagaille. C'est un thème excellent. Nous avons deux termes, nous avons deux versets 10, c'est Malachie 3, verset 6, et puis Éphésiens 5, verset 20. Alors, dans le contexte Malachie, le prophète là, qui a exhorté Israël qui t'a baillé une fausse une adoration qui n'est pas sincère à Dieu. Et puis, bon, ici, là, dans Éphésiens, Paul a parlé de devoirs pratiques chrétiens, petit bon Dieu, parce que dans Éphésiens, ou bien livre Éphésiens, qui gagne une partie théorique là, côté que Paul lui présentait l'Église, l'appel, la vocation de l'Église, et depuis le chapitre 1, il vient dans le chapitre 3, mais là, il vient dans le chapitre 4, ou il vient dans le chapitre 6, il a parlé de la marche de l'Église, la pratique de l'Église, après la vocation, qui gère l'Église, là, doit vivre. Et ici, à Paul, dans une discussion avec Éphésiens, clair, côté que, il y a une analogie dans le texte, là, entre le monde qui vraiment cap mettre en bas contrôle tafia mon qui en bas contrôle tafia mon qui sous et Paul vient pour le mettre en contraste pour dire mon au lieu que nous prend temps et mon prend temps pour la boue tafia et boue tafia capable mener tête qui prend tête même genre mon le mon en bas contrôle et tafia Tafia a mené, Cléry a mené, capable de mener dans des bouches, dans ça qui n'est pas bon. Alors ici, des bouches n'ont pas de sens aux relations sexuelles. Il y a un sens, leur boue tafia au sou. Leur boue tafia au sou, donc il y a mené, il y a fortuné en débauche. Donc un chrétien n'a pas de droit à boue pour le sou. Moi-même, pas dans le thèse qui dit chrétien n'a pas de droit à boue, dis-toi, parce que moi, je crois qu'un chrétien est capable de boue. Un chrétien est capable de prendre l'alcool, ça dépend. Mais ça fait pour dire pour boire pour sous, moi-même pas un partisan de boire alcool. Ou elle n'est pas un monde qui pratique, mais pas d'aucun côté de pas qu'à prendre alcool. Mais à l'exception, un chrétien pas de droit sous. Ou elle pour pas sous, pour perdre tête ou pour venir en bas contrôle. Tafia. Donc il faut qu'on ait contrôle, même l'autre est capable de l'utilisation du vin, etc. Parce que Jésus-Christ est connu du vin et Paul est encouragé, Timothée est capable de prendre un petit peu. Mais Paul dit au lieu que nous on est arrivé pour le sou, mais plutôt nous remplissons nous chercher sa plénitude de l'esprit. Et il y a un monde qui vraiment rempli avec l'esprit bon Dieu, il est prêt à comprendre qui gens pour le capable remercier mon Dieu et dire mon Dieu merci pour tout bagage. Et c'est l'esprit bon Dieu t'a poussé nous à une gratitude, à une reconnaissance. Ou elle pour nous dire merci. Et ici, tu as dit, mon Dieu, qui pape changer, mon Dieu, qui pape changer. Le texte Malachia, ça, dans la théologie, nous relis ça, immuabilité de Dieu. Dieu immuable, c'est-à-dire, dans sa nature, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu peut changer la méthode de travail, mais Dieu ne change pas. Ici, ça marie avec la fidélité de Dieu. Donc, pour la encourager, nous nous la pour dire bon Dieu merci. Et nous-mêmes, nous sommes capables de camper sur fidélité, bon Dieu. Et fidélité, les mariés, les séries de qui intrinsèque, qui ne peuvent pas changer, qui étaient fermes. Et Bible a plus loin pour dire même le nous-mêmes, nous sommes infidèles. Bon Dieu a été fidèle parce que bon Dieu pas qu'à trahir tête, bon Dieu pas qu'à bailler menti. Et nous songer que Jésus-Christ dit, il y a pas avec nous, dans bon temps, qu'au mauvais temps, jusqu'à ce que le monde l'a fini.
Ça veut dire que moi-même avec vous, nous avons pile raison, Père Maxime, pour nous dire bon Dieu merci. Ouais, il dit, la servante lui dit, remercier et constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est pour nous dire bon Dieu merci pour toute bagaille. Mes amis, nous ne croyons pas chrétiens, t'as qu'à le bon jour pour pas bon raison. Et pourquoi? Pour nous nous lever, pour pas bon raison pour aller devant mon Dieu. Pour pas bon raison pour briller. Et qui t'aime nous, frères et sœurs, la reconnaissance, la gratitude, c'est une bagaille qui est très, très, très importante dans la vie, quel que soit le monde. On prend exemple nous-mêmes qui sont papa, qui sont maman, qui sont amis, qui sont frères. Lorsque nous baillons, nous bagaille. Est-ce que nous pas attendre que nous normalement reconnaissons ça nous fait? Oui. Nous apprenons que nous avons reconnaissance. Nous apprenons que nous avons gratitude. Et nous songez, nous quand nous avons l'idée d'un pays, nous te dit la reconnaissance est une lâcheté. Mais pour chrétiens, reconnaissance pas en lâcheté. Reconnaissance est fruit de l'Esprit de Dieu. Reconnaissance et gratitude envers Dieu et non seulement envers Dieu, envers le monde qui fait bien. C'est pas en lâcheté. C'est pas un signe de faiblesse. Mais c'est le monde qui a des caractères. C'est le monde qui comprend l'importance. Ça, bon Dieu, fait pour lui. Eh bien, il doit prendre temps pour lui dire bon Dieu merci. Mes amis qui t'aiment d'où, si on a passé 365 jours, ou pas à l'hôpital, ou pas fait accident, et respiration, oxygène que bon Dieu bat nous, la santé, manger, bon Dieu prend soin de nous. On nous dit que c'est bon Dieu qui plus servit nous que nous servit bon Dieu. Et c'est exemple ça, bon Dieu bat dans la Bible. Bon Dieu son Dieu serviteur. Jésus-Christ son sauveur serviteur. Jésus-Christ vient voir ici qu'il vient pour le servir le monde. Et puisque bon Dieu son qualité, bon Dieu comme ça, bon Dieu attend notre connexion, notre communion que nous avons avec eux pour nous dire merci. Et nous dire merci comme Paul dit. Paul dit qu'il a fait ça à travers somnio, à travers hymne, à travers cantique spirituel. Nous avons chanté et célébré bon Dieu avec tout cœur nous pour nous chanter louange bon Dieu. Et au lieu d'un chrétien perd du temps, une bagaille qui est futile, une bagaille qui pas vole en rien, parole bon Dieu dit, en prêtant nous pour nous mettre nous ensemble, pour nous bailler contre les louanges. Est-ce que ça veut dire pour nous bailler les loisirs? Non, ce n'est pas ça pour la vie. Est-ce que ça veut dire pour nous pas faire fête? Non. Quel que soit ça la fête, la Bible dit, c'est pour nous faire, pour nous capables de pointer les louanges là vers Dieu. Pour nous capables de bailler, bon Dieu, louange et gloire. Donc, un chrétien, quel que soit sa la fin, il a toujours besoin de songer pour lui reconnaissant, pour lui dire bon Dieu, merci. Bon, dit nos bagailles. Est-ce que c'est pour ça qu'il bon seulement nous lui dit bon Dieu, merci? Est-ce que c'est le bon Dieu, vous voyez, bénédiction en quantité, pour nous dire bon Dieu, merci? Ça est difficile. Ça est difficile, là, on a passé un moment. Un moment qui dure dans la ville pour le content. Mais qui te dit aussi, n'a fait quoi Job? Le Job qui a tout problème, il a tout problème, tout tracas, difficulté. Madame Job dit ah! Et maudit bon Dieu est mort. Alors, il y a une petite bagaille pour nous souligner là, qui ne l'a pas dit, madame, comme il agit comme insensé. Et c'est pas pour nous toujours critiquer madame Job comme un monde qui pas abondi tout non, parce que situation était difficile et même là nous connaissons situation plus difficile, nous ouais qui j'en ont qu'à penser. Mais ça qui est important, le nous remplir avec l'Esprit de Dieu, de nous gain vraiment gratitude cet esprit poussé dans que nous gain reconnaissance. N'a connait pour apprendre dit bon Dieu merci même les bagages là pas t'apparaît belle pour qui ça. Parce que même, là nous avons un bagage sorti difficile, bon Dieu a raison. Et plus tard, nous avons un bon Dieu a raison.
pour nous dire merci, mais vous voulez nous regarder là, pas être belle. Il y a une illustration, illustration dame qui a sorti et après la mission même. Et pas après la mission, et puis pas tout le monde qui était directement, machine n'importe machine qui était pour tout le mission, mais ils vont côté un bagage qui passe, soit et il y a un poignet qui coupé, mais il retournait aller à l'hôpital, et bien, il y a depuis devant, machine n'a fait accident, et tout le monde était mort. Qui t'aime dit nous bagaille, frères et sœurs. Principe bid la montre nous là, c'est comme si moi-même avec vous, nous devons apprendre dire bon Dieu merci pour tout bagaille. Que bagaille là t'apparaît comme si nous paraît belle dans le genou, qu'elle t'apparaît pas fine, belle tout, pas paraît un bagaille qui bon. Mais puisque bon Dieu aime nous, bon Dieu pas fait rien qui mal pour nous, bon Dieu pas pense rien négatif pour nous, nous t'as besoin cultiver ça. On apprend, dit bon Dieu merci, même les nous pas ta comprendre, même les nous te bah, la paraît difficile, parce que plus tard, nous pourrons voir que, bagay ça te paraît pas belle là, bon Dieu te quitte le vivre dans la vie, les gon raison. Et ça, les vins tourner gloire pour bon Dieu, et une édification pour moi-même comme petit fille, parce que bon Dieu, normalement, lui, pas jamais fait un bagay qui mal pour moi. De telle sorte que l'auteur a chanté, il dit pas de mal pour nous, mon frère, pas de mal pour nous. Moi, je dis un bon Dieu qui sont un bon Dieu qui n'a pas changé, un bon Dieu qui est fidèle, un bon Dieu qui est bon, un bon papa, un bon Dieu qui a pensé pour moi tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur. Et c'est ça qui va entrer nous dans l'esprit de gratitude et reconnaissance là, à toute heure, à tout moment, qui va déboucher sur la joie. Parce que lorsque nous apprenons dit bon Dieu merci pour toute bagaille, les ennemis étaient connus vraiment gros bagaille pour le faire nous tristes, pour le faire nous amers, pour le faire nous anxieux, pour le faire nous gagner angoisse, et puis le garder ses louanges, le garder ses contentements, le garder ses bonheurs, eh bien, ça va le faire comme si nous pas de stress, au lieu de nous stresser, nous avons la joie, parce que nous développons une attitude pour nous apprendre dit bon Dieu merci pour toute bagaille. Et là, dit bon Dieu merci pour toute bagaille là, dit pour tout. Il n'a pas dit les bagailles là bon seulement. Il n'a pas dit c'est lorsque vraiment toute bagaille sous la houlette, lorsque nous avons un job, lorsque nous avons l'argent, lorsque nous avons. Il dit toute bagaille. Ça veut dire, je comprends, Mathieu, frère Maxime. Nous avons besoin d'apprendre à dire bon Dieu merci pour même les bagailles là, ça paraît difficile. Et c'est ça nous fait, nous avons développé une attitude positive qui a fait que nous surmonter les épreuves de la vie, les circonstances difficiles en joie et contentement. Parce que, on a songé à s'activer Paul dans acte 16 avec Silas. Monsieur est en prison. Monsieur est en prison. Il a dit au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Mais ils ont pété cantique. Ah, qui s'est passé? Prison a tremblé. Ah! Chaîne tombée dans les prisonniers. C'est comme si le tremblement passait. Monsieur a chanté le louange de Dieu. Même dans la prison, il reconnaît que mon Dieu mérite le louange. Et qui s'est passé? Nous, quand ça passé, je le dis. Il vient tomber dans pied Paul pour dire qui ça me fait? Monsieur a lutté pour le tuer tête. Paul dit non, nous là, nous pas sauvés. Nous là, nous pas sauvés, nous pas courir. Et je lui ai venu pour dire. Qui ça me fait pour me sauver? Eh bien, c'est le Paul a dit, quoi le Seigneur Jésus-Christ ou a sauvé ou même à quoi? Ça veut dire que ma Seigneur, là moi-même avec vous, comptez sur fidélité, bon Dieu, un bon Dieu qui est immuable, qui ne peut pas changer, un bon Dieu qui est bon, un bon Dieu qui est fidèle. Lorsque le monde a regardé qui je nous vive avec même les épreuves de la vie, non seulement nous-mêmes, nous abstentions en joie, lorsque Saint-Esprit fait ça pour nous, nous quittons, nous remplis avec Saint-Esprit, nous avons la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est la plénitude du Saint-Esprit d'après texte qui est capable d'aider nous, dire bon Dieu merci pour toute bagaille. Et même le monde autour de nous, pour être touché par la puissance de l'Évangile, pour lui dire ah, ça, moi, un tel qui s'est passé là, un tel qui a rentré, il a besoin, bon Dieu, ça. Et quittez nous, frères et sœurs. En Chine, message évangélique qui fait effet. Et en France, message évangélique qui fait effet, c'est parce qu'ils ont dit ah, il y a de l'espoir au message chrétien. Il y a de l'espoir
Malgré problème, moun sa toujours campé. Malgré difficulté, moun sa toujours campé. Et bien bon espoir. Et bien c'est comme ça. Nous même avec nous nous besoin de Dieu nous nous attendons pour nous demander bon Dieu grâce pour nous une plénitude du Saint-Esprit qui a fait que nous capables de dire bon Dieu merci dans toute bagaille. Et reconnaissance, c'est lever, dire bon Dieu merci pour la vie, dire bon Dieu merci parce que le fait nous lever, dire bon Dieu merci parce que nous avons vraiment manger, dire bon Dieu merci parce que nous avons travail, dire bon Dieu merci pour toute bagaille et ça déboucher son esprit positif et une attitude qui positive qui a bah nos forces, qui a bah nos puissances pour nous confronter et surmonter les problèmes de cette vie. Et en joie, parce que nous capables, parce que le Saint-Esprit est en nous. Le Consolateur, celui qui marche à côté de nous, le Paracletos, le Consolateur, notre avocat, il marche à côté de nous, il nous aide. C'est-à-dire, même dans les moments les plus noirs, les enfants de Dieu peuvent chanter sa louange. Les enfants de Dieu peuvent célébrer Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en nous, il marche à côté de nous, il nous accompagne. Frères et sœurs, en développant un esprit de gratitude et de reconnaissance envers notre Dieu, quoi qu'il en soit, essayons, agissons, louons-le, parce que bon Dieu fidèle et pas changé. Matin, frère Maxime, que bon Dieu bénis-nous, un bon Dieu merci, qui pas changé pour toute bagaille. Que bon Dieu bénisse nos matières. Amen. Amen.